Bonjour à toutes et à tous ceux qui veulent avancer et réussir dans leur business. Je m'appelle Yvan, je travaille chez Quartz Vidéo et je vais essayer de répondre objectivement aux questions. Pourquoi faire une vidéo d'entreprise et qu'est-ce que ça peut rapporter? Alors, il y a pas mal de raisons démontrant l'évidence de faire une vidéo et je vais déjà vous en dire quatre qui, j'espère, vont faire tilt dans votre esprit. La première, c'est tout simplement montrer qui vous êtes, ce que vous faites et susciter l'intérêt aux spectateurs de venir vous voir. Alors, la deuxième, c'est de pouvoir communiquer gratuitement sur tous les supports. Vous allez voir, il y en a un paquet. En trois, vous allez aider l'internaute à trouver une information rapidement. Faut savoir qu'une vidéo, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Si vous dites l'essentiel, tout le monde est content. Et en quatre, c'est faire des économies. Oui, faire des économies, parce que une fois votre vidéo réalisée, elle va durer quand même un certain temps et elle peut être déclinable en nombreuses versions. Alors, il est évident que vous allez déjà diffuser cette vidéo sur votre site internet, mais vous pouvez l'envoyer à vos clients par newsletter. Alors, j'espère, bien sûr, vous avez noté tous vos clients, les adresses e-mail, très important. Vous pouvez l'envoyer à vos fournisseurs, à des partenaires, à l'office du tourisme, enfin, un nombre incalculable de gens. Et tout ça sans dépenser un euro supplémentaire, on est bien d'accord. Mais surtout, il va falloir la diffuser aussi sur tous les réseaux sociaux et professionnels. C'est quand même là que vous allez trouver une grande partie de vos nouveaux clients et les fidéliser. Parce que votre vidéo va vivre grâce à ces réseaux. Elle va être regardée, elle va être commentée, elle va être likée, elle va être partagée. Et avec quelques euros supplémentaires, vous pouvez à tout moment faire des campagnes de pub sur ces réseaux en touchant des milliers de personnes. Et oui, pas n'importe qui, parce que c'est vous qui allez cibler votre clientèle. Je ne sais pas moi, l'âge, la région, petit, gros, enfin tous les éléments déterminants au client parfait. Alors par exemple, vous avez un hôtel, vous voulez plus de clients. Donc pour commencer, pour être vu, il faut être visible et crédible. Et on sait que la vidéo est le meilleur média qui va valider l'authenticité d'une entreprise. Alors que ce soit à 100 mètres de chez vous, à 100 km ou à l'autre bout de la Terre, grâce à cette vidéo, on va savoir qui vous êtes et ce que vous proposez. Une bonne vidéo, je le dis souvent, c'est l'efficacité par l'image. En résumé, l'essentiel doit être montré, dit et écrit pour que le spectateur vienne à vous avec le plus grand des plaisirs et naturellement. À vous de définir ce qui est essentiel dans votre entreprise. Et surtout, ne dites pas « ça va me coûter cher ». Attendez, on sait que chez Quartz Vidéo, déjà on a démocratisé la vidéo en pratiquant les mêmes prix qu'un plombier zingueur. Alors, j'espère que ces petites infos vont vous inciter à utiliser la vidéo pour communiquer. Et comme disait un de mes amis Albert Leprince, il vaut mieux voir des vidéos que des montagnes de mots autour d'un pot. Sur ces belles paroles, écoutez, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise et à bientôt chez Quartz Vidéo.